Coucou les amis, j'espère que tu vas bien. Donc je vais faire la petite vidéo d'intermédiaire de fin de semaine, donc juste après le soin. Je vais demander comment on va s'éveiller la Terre. Donc on va prendre un message d'éveil et un message de Gaïa. J'ai envie de poser la question, puisqu'on peut, vous savez, les oracles, ils répondent à toutes les questions. Et ça, c'est incroyable. Est-ce que la planète, la Terre, s'éveille? Est-ce que la Terre ascensionne? Est-ce que... Donc, on va poser cette question et on va très certainement avoir des réponses. Alors, j'ai envie de prendre deux cartes de l'oracle de cristal, donc de la loi d'attraction. Est-ce qu'on attire à nous une nouvelle Terre d'éveil? Alors, ça fait beaucoup. Je prends toutes ces cartes. On va déjà commencer par ces cartes. Donc, on a « Je suis connectée à la source ». Donc, beaucoup d'entre nous sont éveillés, sont connectés à la source, savent qu'il y a autre chose après, qu'il y a autre chose ailleurs, d'accord? Donc, on est connecté. Certains et certaines s'engagent et agissent hein, pour un nouveau monde, une nouvelle terre, d'accord? Et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à remercier quand même, malgré tout ce qui se passe actuellement. C'est vrai que la crise et tout, c'est pas marrant, bien sûr. Mais certains d'entre nous sont reconnaissants. On remercie, je remercie pour tout ce que j'ai, d'accord, dans ma vie. Pour tout ce qui est dans ma vie. Et merci l'archange Michael de m'avoir dit de garder ses cartes. Parce que... il faut aussi s'autoriser à recevoir les bienfaits de la planète, à s'autoriser à être connecté à la source, s'autoriser à s'engager et agir, s'autoriser à remercier. On ne s'autorise à rien, on subit, certains d'entre nous subissent, mais ceux qui sont éveillés, j'ai envie de dire, reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment, c'est important de savoir ça. Je m'autorise à recevoir, d'accord? Je m'autorise à recevoir. Donc, on a, je suis connectée à la source, l'univers. On a l'engagement, je m'engage et j'agis. Je plante une petite graine qui va faire un gros arbre, d'accord? Quelque chose d'énorme. Donc, on est en train de planter des graines. Il faut remercier pour recevoir. Vous ne pouvez pas espérer recevoir si vous ne remerciez jamais. D'accord? On va prendre une carte de l'oracle. Donc, je ne prends pas le livre. Ça ne va pas aller. De l'oracle Gaïa. Ben voilà. Merci. J'ai l'archange Michael avec moi pour cette guidance. Et on va prendre tout de suite la carte de l'éveil. Alors, je pense à vous. C'est rigolo cette carte. C'est un soleil. Je pense que c'est la source qui pense à nous. Pensée affectueuse. Hasard heureux. Je pense à vous. Pensée affectueuse. Hasard heureux. Vous savez, le hasard, hein, c'est Dieu qui veut passer incognito. Hein, vous savez bien. Donc, c'est la carte numéro 29. On va lire. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui
qui transcende le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit, pardon. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace, pourtant rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Affirmation positive. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un ou qu'une avec l'humanité. Je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si le jour prête une réalité. Alors, c'est rigolo parce que j'avais écrit un petit texte où nous étions justement tous reliés les uns aux autres. Nous sommes, mais vraiment, c'est important de savoir ça, tous interconnectés. Et le fait d'être justement tous interconnectés, ces pensées, là, je pense à vous, hein, on pense tous les uns aux autres, on a envie d'un monde meilleur, on a envie que tout se passe bien, on a envie que beaucoup d'entre nous s'engagent, on est beaucoup à remercier, on est beaucoup à se connecter à la source et à demander des choses pour recevoir enfin, d'accord? Donc on est tous reliés les uns les autres, aux autres, on est interconnectés, et ça, c'est hyper, hyper puissant. Je ne sais pas si l'archange Michael veut rajouter quelque chose. Ça s'appelle la communion des saints. Nous sommes tous des êtres divins, saints, d'accord? Nous sommes tous des saints, alors Sainte Catherine, Sainte Bernadette, Sainte Joël, Sainte Sylvie, Sainte Valérie, Sainte Marie, Sainte... Nous sommes, on fête bien les saints tous les jours, il y a la Saint Colette, Saint Huguette, Saint Yvette, Saint Bernard, Saint Roger, Saint Jean, Saint... Donc on est tous... c'est ce qui s'appelle la communion des saints. C'est ça. Alors, c'est rigolo parce qu'un jour, c'est ce que j'ai dit à ma tante. J'ai parlé de ça avec ma tante. Ma tante est religieuse, elle est bonne sœur. Et on parlait de... je lui disais que moi, dans mes soins... Alors, elle trouvait ça... Elle ne m'a pas jugée parce qu'elle m'a dit, il y en a bien qui pensent à faire du mal. Alors, je ne vois pas pourquoi toi, quand tu enverrais du bien aux gens, ça ne fonctionnerait pas. Elle m'a vraiment... J'ai été très étonnée. Je pensais que ça allait être la plus cartésienne de la famille. Et en fait, ça a été la plus compréhensive, on va dire. À leur tour, ils ont été compréhensifs dans ma famille, mais là, je ne m'attendais pas à ça. Et elle me dit, tu sais, ça s'appelle la communion des saints. Le fait que quand on fait des égrégores, par exemple, ce sont la communion des saints. Donc, c'est très important. L'archange Michael me dit que c'est très important que vous demandiez, que vous remerciez, que vous vous connectiez à la source, que vous agissiez à votre niveau, que vous soyez seul ou que vous soyez en petit groupe, si vous avez l'habitude de méditer en famille, d'accord, ça peut arriver, ou entre amis, à 4, 5, 6, ça a aussi du poids. Et puis, il y a les grands égrégores, on peut faire aussi des demandes à plus grande échelle. J'en faisais au début. Et là, ils ne m'ont pas redemandé d'en faire. Donc, je ne sais pas si c'est une demande de leur part.
Donc l'archange Michael me dit qu'il vaut mieux faire des demandes plusieurs petits groupes ou seul. Ça a beaucoup plus de poids en ce moment parce que vous êtes vraiment connecté seul ou en petit groupe à la source. Les égrégores de 5-6 000 personnes, c'était bien pendant la transition. Vous savez, je vous ai parlé d'une transition, là, il y a quelque temps, je vous avais parlé que la Terre était en train d'ascensionner, qu'on était en transition. Je vous ai dit beaucoup ça à un moment dans des vidéos. L'année dernière, pendant cette crise-là, en pleine crise, je vous disais, là, on est en transition, on est dans un passage, on est... Voilà. Et là, en fait, il faut vraiment être... pas en individuel, mais on est tous interconnectés, d'accord? On est tous reliés les uns les autres, et on peut, justement, moi de mon côté, moi en disant à une copine, tiens, ben, moi ce soir je vais demander ça, on n'a qu'à demander ensemble. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça, ça c'est bien. Et les gros égrégores, pour l'instant, c'est pas trop demandé, voilà, tout simplement. Vraiment, vous devez croire que tout va bien se passer pour la planète et remercier. Et on a, incroyable, le pouvoir du créateur. Donc bon, cette carte parle d'elle-même. C'est incroyable. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par la pensée négative, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Donc, il faut vraiment un titre personnel et... j'ai envie de dire très égoïstement, demander des choses pour nous, s'engager pour nous-mêmes et agir pour nous-mêmes. Hein? Et alors l'archange Michael me dit qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais moi je veux aider les autres, je pense tout le temps aux autres, moi mon but dans la vie c'est d'aider les autres, je supporte pas de voir les gens souffrir. » Oui, d'accord, mais est-ce que tu as travaillé sur toi? Est-ce que tu as fait quelque chose pour toi, toi-même? Parce que moi aussi, quand en 2010, j'ai découvert le bien-être, je voulais aider tout le monde. Je voulais aider, depuis toute petite, je voulais aider les gens. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu ne peux pas aider les gens, vraiment, ça c'est important. Vous ne pouvez pas vouloir le bonheur du monde entier sans penser à vous. Et là, c'est là que les archanges, vraiment l'archange Michael insiste aujourd'hui, c'est de penser à vous, de s'engager pour soi-même, d'accord? Par rapport, par exemple, tu vois, moi je voulais aider les gens, mais j'étais en pleine addiction. Cannabis, alcool, drogue dure, si tu veux, je pouvais pas. Je voulais tellement le meilleur pour les autres, mais moi je m'autodétruisais. C'est pas cohérent. Je ne peux pas vouloir le meilleur pour les autres et moi être mal. Je peux pas aider les gens si moi je suis mal. Donc tu peux aider les gens, tu peux aider la planète quand tu fais déjà des choses pour toi-même. Donc ça c'est très important. Le message d'aujourd'hui, c'est de vous connecter à la nature, de penser à vous, de vous engager et d'agir pour vous. Pour la planète aussi, si vous avez envie, bien sûr. Mais faites déjà des choses pour vous. Remerciez pour tout ce que vous avez déjà. Vous allez recevoir, récolter ce que vous semez. On pense à nous. Chacun, nous pensons tous les uns aux autres. Nous sommes tous reliés, interconnectés. Et le pouvoir du Créateur, que je vais vous relire... Je suis conscient que tel le créateur, je suis un co-créateur de moi-même, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec des lois divines qui régissent la vie et la nature.
Par la pensée négative, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. C'est la loi de l'attraction. L'archange Michael adore la loi de l'attraction. Donc, vous devez travailler la loi de l'attraction pour vous-même. Et quand vous faites ça pour vous-même, bien ça transpire au reste du monde. Quand vous vous faites du bien à vous, quand vous soignez des blessures personnelles, quand vous travaillez sur l'enfant intérieur, sur pour vous-même, quand vous travaillez votre enfant intérieur, vous sauvez des enfants. Vous aidez d'autres enfants. C'est quelque chose de multidimensionnel. C'est la multidimensionnalité de la pensée, de la guérison personnelle. Vous guérissez une blessure personnelle, vous aidez des tas de gens. Si vous-même, vous êtes dans un couple, vous avez vécu dans un couple violent, vous vous êtes séparé de cet homme violent, vous êtes parti de ce... Eh bien, vous avez sauvé des tas de femmes, parce que le fait d'avoir fait ça pour vous, ça va aider d'autres femmes qui vont peut-être prendre exemple sur vous et qui vont se dire, ben moi, je peux le faire aussi. Donc, en fait, ce qu'on fait pour soi, ça aide l'humanité. C'est vraiment important de savoir ça. Et est-ce que je termine par une petite carte? Non? Bon. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous. L'archange Michael vous dit de prendre soin de vous. Quand on prend soin de soi, c'est on prend soin des autres également. Voilà. Je remercie les guides, les anges, les archanges et surtout l'archange Michael de m'avoir aidé à faire cette vidéo. Je t'embrasse et je te dis à très vite.